Je vais déposer mon micro. I'm going to put my mic on the side. J'aimerais qu'ensemble nous puissions chanter ce chant. And I would like for us to sing this song. The Bible says,
The time has come where the true worshipper will worship the Lord in truth. Ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Those are the true worshippers that the Father is seeking. Cette soirée, nous avons une adoratrice. This night we have a worshipper. Une adoratrice de l'Éternel. A worshipper of the Lord. Qui s'est donnée entièrement pour louer, adorer le nom de Jésus. Who gave herself entirely to praise and worship. Je vous ai dit qu'elle est montée pour juste donner une flash. Pour que nos cœurs soient préparés. So that your heart may be prepared. Maintenant, je vais l'inviter officiellement. I want to invite her officially. Sans la bouillie. Il s'agissait d'Abraham. This was about Abraham. Avec son fils Isaac. With his son Isaac. Abraham a dit à ses serviteurs. Abraham said to his servants. Même à l'âne. Even to the donkey. À l'animal. To the animal, the donkey. Il dit, vous. He said, you. Restez ici. Stay there. Moi. Me. Et le fils. And the son. Nous irons adorer. We will go to worship. J'aimerais. I would like. Que tu dises. For you to say. À quelque chose qui est avec toi. To something that is with you. Je ne sais pas c'est quoi. I don't know what it is. Dis à cette chose, toi reste ici. Say to that thing, you stay there. Toi reste là. You stay there. Moi je vais adorer. I'm going to go and worship. Aujourd'hui c'est le 3 juin. Today is the 3rd of June. Le premier. The first. Le 2. The second. Le 3. The third. La Bible dit que Abraham a marché 3 jours. The Bible says that Abraham walked 3 jours. Et quand il est arrivé sur la montagne. And then he reached the mountain. Dieu s'est montré à lui comme les Jéhovah Jireh. J'aimerais que ce soit après ton adoration, après ta louange, que Dieu se montre à toi comme il veut, comme il veut. Et tout ça dépend seulement de toi. And it will only depend on you. Il est fidèle, notre Dieu.
Oh,
quand je contemple les cieux. Oh,
Thank you.
Thank you.
a dit. Maman Martine, c'est le nom de ma mère. Elle s'appelait aussi Martine. Yes. J'aimerais qu'on puisse expérimenter ce que Maman Martine vient de nous prêcher. Elle a dit que l'adoration, la louange, traite les choses de profondeur. Pas les petites choses, hein. Oh non, telle m'a mal parlé, ou telle avait dit, telle avait fait. Non, pas ça. Non, pas ça. Ça va traiter des choses qui se sont enfouies dans la profondeur. Des choses que toi, tu ne sais pas. Parce que tu n'avais rien fait pour naître dans cette famille où il y avait des problèmes. Tu n'avais rien fait pour rencontrer cette personne qui avait des problèmes, qui a contaminé des problèmes, des problèmes, des problèmes, des problèmes. Tu n'avais rien fait. Maintenant, nous n'allons pas nous occuper de tout ce qui se passe. Nous allons nous occuper de celui qui fait tout. J'ai toujours posé la question, David, là, il dansait comment? Écoutez, le moment de louange, ce n'est pas un moment de distraction. J'ai dit à quelqu'un. Ce n'est pas un moment de distraction. Parce que si la maladie est dans ton corps, un mouvement que tu peux faire comme ça, là, peut faire partir la maladie. Alléluia. Alors quand nous voulons louer le Seigneur, nous allons réaliser chaque mot de tout ce que nous disons. Quand je dis l'heure de la victoire et de la vérité sonner dans mon cœur, ça veut dire que maintenant je suis en train de remporter des victoires, des victoires, des victoires, des victoires. Quand je dis il rend mes pieds semblables à ceux des biches, l'Éternel est ma force. Ça veut dire que je déclare qui il est pour moi. Il est ma force. Alléluia. Alors je veux me réjouir dans le nom du Seigneur. Nous voulons nous réjouir, même si nous n'allons pas faire comme David, mais faisons peut-être mieux que lui.
Il taille moi, puis n'a soit.